Zoom sur un curieux village en proie à des phénomènes étranges. Ésotérisme, crime ou encore disparition. Entre fiction et réalité, une brigade de reporters dépêchés sur place mène l'enquête pour nous sur ces chimères d'un autre temps. J'appelle Cupidon. Désigne-moi deux joueurs qui tomberont éperdument amoureux. Si l'un d'entre eux venait à mourir, sa moitié le rejoindrait aussitôt. J'ai bien compris, Cupidon. Tu peux te rendormir. Je vais désormais taper sur la tête des deux amoureux qui pourront se voir et se reconnaître. Vous pouvez vous rendormir. J'appelle la voyante. Désigne-moi le joueur dont tu veux connaître le rôle. J'ai bien compris, voyante. Tu peux te rendormir. La voyante est bien bavarde. Un loup-garou a été découvert. J'appelle le salvateur. Qui souhaites-tu salvater cette nuit? Ce dernier survivra à l'assaut des loups. J'ai bien compris, Salvateur. Tu peux te rendormir. La lune est pleine cette nuit. Ah, ça sent le canidé. Chien. J'appelle les loups-garous. Cette nuit. J'ai bien compris, joueur de flûte. Je vais taper sur la tête des deux charmés qui pourront se voir et se reconnaître. Vous pouvez vous rendormir. Non, je suis désolée, le maire il a pas deux voix, c'est pas comme ça que ça se passe en fait. Non, mais j'ai entendu du bruit par là-bas, ça venait pas des deux là. Hein. Cette nuit ? Ah, c'était le chasseur.